Salut à tous, grand plaisir de vous retrouver pour cette rencontre dont le coup d'envoi va être donné dans quelques instants. Le ciel chargé au-dessus de nos têtes, on annonce beaucoup de pluie dans quelques minutes, mais cela ne devrait pas doucher l'enthousiasme des supporters qui sont venus très nombreux, qui mettent une magnifique ambiance depuis une heure maintenant. Pendant la présentation des équipes, pendant l'échauffement, ils auront sans doute un rôle à jouer dans cette rencontre. Les tribunes de l'Emirates sont pleines et vibrent aux couleurs rouge et blanc du club. L'arbitre donne le coup d'envoi. Hector Bellerin qui a de l'espace. Granit Xhaka. Il poursuit son effort dans l'axe. Long ballon dans le sens du jeu. Yarmolenko. Noble. Yarmolenko. Ogbonna. Il cherche ses attaquants. Ça, c'est une interception parfaite. Pepe. Il tire. Fabianski, quelle intervention! Oh, quel bel arrêt! Ah, ça, c'est magnifique. Chapeau. Ce sera le premier corner du match. Il tente de se dégager. David Luiz. Pepe. Oh, c'est bien fait ça. Dans la surface. Il va au duel. C'est bien ce qu'il fait là. Quelle inspiration! Pepe! Fabianski! Quelle intervention! Pepe, c'est le genre de joueur qui aime bien les provoquer. C'est bien tenté. La défense passe vraiment un sale quart d'heure avec... La tentative! Fabianski! Quelle intervention! Oh, c'est un arrêt important ça! Ah oui, superbe! Felipe Anderson. La longue passe. Il a stoppé l'attaque adverse. Granit Xhaka. Alors qu'on attend encore le premier but dans cette rencontre. Il frappe au but. Ça rase le poteau gauche. Et je crois que le gardien sait qu'il était par sur la trajectoire. Ça joue long, vers l'avant. C'est intercepté. Un peu d'air pour la défense. En la profondeur, bien vu. Il enchaîne les dribbles. Il est passé. Il s'est peut-être un peu emballé sur ce coup. C'est la fin de la première période. Certains joueurs ont l'air fatigués. La pause va leur faire du bien. Pas de but dans cette première période, mais ce match est de loin d'être terminé. La défense a fait du super boulot, ils ont bien contenu les attaques adverses. Je ne me souviens même pas d'une occasion. 0-0, tout est encore possible dans cette rencontre. La seconde période a donc déjà débuté. On a vu les stats et avec deux fois plus de tirs d'un côté, c'est étonnant que les deux équipes ne parviennent pas à se départager. Il sait sous la pression. Non, il n'a pas joué le ballon là. Intercepté, ça aurait pu faire mal. C'est une occasion, ça. Et le cadre se dérobe largement. Oui, ça part d'une bonne intention, mais malheureusement pour lui, ça ne marche pas. C'est l'occasion de procéder à un changement. Lanzini entre en jeu.
Il peut faire la différence avec sa qualité de passe. Diop, c'est joué long. Oh, bonne intervention de Mustafi. David Luiz. La passe en retrait vers son défenseur. Mesut Özil. Pas encore de but inscrit dans cette rencontre, mais ça pourrait changer. Aubameyang. Il ne se pose pas de questions. Voici Saka. Torreira. Torreira qui veut se projeter. Bonne intervention qui stoppe net ce one-man show. Mais c'est facile, c'est trop facile à lire pour les défenseurs. Ça joue à la babane, il m'énerve là. C'est joué là. Faut tirer là. Et donc un 6 mètres à suivre. West Ham qui utilise les forces de son effectif. C'est sans doute plus sage de le sortir maintenant. Il a déjà été averti. Mesut Özil. Bien, la profondeur. Bien servi. Aubameyang. Il y a du jeu, il y a du dynamisme. Malheureusement, ça reste stérile. Il s'impose physiquement dans ce duel. C'est joué long. C'est reparti, ils peuvent contrer. C'était plus du marquage, c'est du harcèlement. Oui, il semble vouloir gêner la construction en l'obligeant à accélérer sa prise de décision. Il cherche la profondeur. Voilà une bonne occasion de contre. Il allonge le jeu. Oh, l'occasion! Ça doit être rageant pour eux. Ils auraient pu faire la différence sur cette action. Manuel Lanzini qui écarte le jeu. Ça sort en corner. West Ham qui effectue un changement. Son entraîneur a senti qu'il n'avait plus de jus. Alors il valait mieux le sortir maintenant plutôt que de risquer la blessure. Il faut se projeter maintenant. C'est écarté, bien fait. Il va jouer sur les côtés. C'est... Il met la tête. Oh, magnifique. Il a fallu l'attendre, mais le voilà. Un centre parfait, il n'avait plus qu'à réussir son coup de tête. Beaucoup de sang-froid pour mettre cette tête. Le geste était parfait. Et si ce but scellait le score, est-ce qu'on en restera là? Et c'est le coup de sifflet.